ça va chier, Cocaman. Prépare-toi à prendre cher. Précédemment, Cocaman avait attaqué les habitants de Duglanville. J'avais essayé de le dégommer. Ça lui a suffi, il est reparti, mais on ne l'avait pas tué. Donc les habitants de Duglanville ont vite déménagé dans un autre espace-temps ailleurs dans le monde. Ils pensaient être tranquilles, mais en fait, non, Cocaman va récidiver. Dans un autre espace-temps, dans un lieu paisible, les habitants de Duglanville vivent tranquillement. Mais ils ont encore peur que le méchant Cocaman arrive, car il n'a pas été tué. Ils font toujours attention et restent en contact avec GG, au cas où. Derrière la forêt de fougères se cache Cocaman. Ah ah, je suis encore là. Et j'ai enfin trouvé les habitants de Duglanville. Je vais les écraser grâce à mon super pouvoir. Je peux voler et je vais atterrir sur leur belle tête de gland. Oh non! Encore Cocaman! C'est pas possible, il nous a retrouvés. Eh oui, je vais vous écraser, vous allez tous mourir. Oh, si seulement GG pouvait venir nous aider, il faudrait qu'il soit avec quelqu'un en duo. Et cette fois-ci, on pourra peut-être vaincre le méchant Cocaman. Qu'est-ce que vous croyez? Je l'attends, je n'ai pas peur. Waouh, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, je pige pas, je sais pas dans quel pays ils sont tombés. Les habitants de Duglanville. Mais on va voir ça. Je comprends pas trop ce qui va se passer. Putain, qu'est-ce que je fous là, quoi? Ah la vache. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Parce qu'il y a même des cibles. C'est trop bien ça, dommage que j'ai ma hache. Il se passe un truc. Waouh, c'est quoi ça? Je suis dans une espèce de bus. Là, je vais sauter, allez hop là. Bien voir, on atterrit dans les bois. Trop bien ce petit planeur. Bon, maintenant, il va falloir qu'on se trouve les enfoirés de Duglanville. On est partout, là. Quel bordel. On est dans les bois. Oh, putain. C'est bon, MK16. Il est paré. Ah, mais je suis pas tout seul. T'es qui, toi? Moi, c'est Vivi. Regarde qui est là. Cocaman. Cocaman. Oh, merde. Il commence à me les briser, celui-là. En plus, il est pas tout seul. Allez, venez, je vous attends. Putain, on va le déglinguer. C'est parti, on le dégomme. Yes. 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 Je suis touché, je vais mourir. C'est bon, Vivi. Là, on l'a bien niqué, maman chargeur est vide. Alors, tu fais moi le malin, Cocaman. Là, cette fois-ci, on l'a eu. Bien joué, Vivi. Fumier, ça, c'est pas du bluff, Martoni. On va terminer. Et voilà, c'est fini pour toi, Cocaman. Alors, les habitants du Glanville, vous êtes heureux? Merci, GG, Vivi. Vous m'avez sauvé la vie. Vous avez sauvé le village du Glanville. Massacre-lui sa putain de gueule avec tes pieds. Ça, c'était pas sa gueule, mais la gueule était plus haute. Je te fais remarquer, quand même. Voilà, c'est bon, ça. Nickel. Putain. Ça, c'est bon. Et voilà, les habitants du Glanville, vous êtes enfin sauvés de ce saloperie de Cocaman. Maintenant, c'est plus que vulgaire taferaille. Bon, ben voilà, mission réussie. Les habitants du Glanville sont heureux. Ils vont enfin pouvoir se traîner les glands pépère peinard. Merci, Vivi, de m'avoir aidé dans cette aventure. En tout cas, j'ai pas trop compris le début. Pourquoi je suis arrivé là, comme ça, dans les bois? C'est le jeu, en fait. C'est le jeu à propos du set. Sauf que là, c'était à la sauce Fortnite. Bon, les du Glanville, vous pouvez aller repartir. Et puis maintenant, ben, merci en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo, ce périple des habitants de Duglanville et de Cocaman. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être plus tranquille et normale, on va dire. Hein? Ben ouais. Bon allez, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut. Oh, il n'y en a plus. Oh, c'est bon là. J'en ai encore. Non, vas-y, vise-le.